Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 23 mai 2020, 9h41, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Une belle journée ici à Sainte-Marthe, mais frais ce matin comparativement à hier. On a presque atteint au soleil les 30 degrés. On se retrouve ce matin avec 12-13 degrés. C'est frais. Baisse de plus de 20 degrés, hein? C'est ça. C'est ça qui se passe. C'est toujours comme ça dans des changements de cycle climatique. Il y a beaucoup d'instabilité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, 9h42, 23 mai 2020. Message qui m'a été envoyé par Réjean Dubé, que je salue, une abonnée, une bonne compatriote québécoise, très dévouée, qui nous envoie beaucoup de liens. Ça nous vient des Watchers. De Watchers, et qui nous rapporte que l'Etna vient d'entrer dans une activité explosive assez importante. On est obligé d'élever le code de l'aviation au rouge brièvement en Italie. Donc, ça s'est passé dans les dernières heures, il y a à peu près 2 heures. Et Réjean, qui en m'envoyait le message, a dit « Je pense qu'on entre dans un cycle vraiment infernal pour la Terre. » Je pense que oui, on est entré depuis un bon moment. Puis on en a parlé ici beaucoup. Puis c'est important de garder la tête froide, d'être rationnel aussi dans tout ça. Mais je vous ai dit, préparez-vous, il y a des changements majeurs qui s'en viennent. Et au niveau économique, social, politique, gouvernemental, c'est incroyable là, ce qui s'en vient. Puis les gens ne sont pas préparés à ça. La robotisation, la numérisation, le commerce en ligne, il y a plein de des centaines de millions d'emplois qui vont être supprimés, qui ne reviendront jamais. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais c'est vraiment pas drôle, mais c'est d'être préparé mentalement à ça qui va t'aider. Si tu sais que le pire t'attend, ben au moins, mentalement, tu es préparé à attendre le pire, donc tu ne seras pas surpris. Ce qui vient souvent le plus déstabiliser les gens et les mettre dans des positions périlleuses, c'est qu'ils ne sont pas préparés, donc ils ont une surprise quand quelque chose arrive. Puis de te remettre de l'effet d'une surprise, bouf, c'est long des fois. Très long. Beaucoup d'activités sismiques et volcaniques, en minimum, grand minimum solaire, ça c'est un classique. C'est comme ça, la littérature est là pour nous le rappeler. Activité explosive au volcan Etna, le code de couleur de l'aviation est brièvement élevé au rouge en Italie. L'activité strombolienne a augmenté au nouveau cratère du sud-est de l'Etna aujourd'hui. Donc, plutôt hier, forçant les autorités ou dans la nuit ou d'élever le code à la couleur rouge. L'activité explosive a produit des cendres volcaniques jusqu'à 4,5 km, soit 14 800 pieds au-dessus du niveau de la mer, soufflés par des vents du sud-ouest. Selon la VAAC de Toulouse, le panache détectable sur l'imagerie satellite était majoritairement composé d'eau. Les cendres volcaniques les plus importantes ont été détectées à proximité du volcan. Une nouvelle éruption explosive a été observée vers 7 heures, avec une activité explosive toujours observée près du sommet à 7h19, a indiqué le centre dans son dernier avis. L'activité explosive diminue avec de faibles émissions de cendres toujours en cours. L'activité explosive s'est également poursuivie dans le cratère Voragine avec des émissions périodiques de cendres qui se sont rapidement dispersées dans l'atmosphère près du sommet. L'amplitude des tremblements volcaniques a légèrement augmenté par rapport au 21 mai avec de fortes oscillations autour des valeurs moyennes à élevées. L'activité infrasonore a également légèrement augmenté, ses sources étant principalement situées dans le nouveau cratère du sud-est. Les mesures de déformation du sol n'ont montré aucune variation significative. Les images ci-dessous montrent l'activité strombolienne et l'émission de cendres. Donc, je vous laisserai ça. L'Etna, qui domine Catane, la deuxième plus grande ville de Sicile, possède l'un des enregistrements documentaires les plus longs du monde sur le volcanisme historique datant de 1500 avant notre ère. Des coulées de lave historique de composition basaltique couvrent une grande partie de la surface de ce volcan massif, dont l'édifice est le plus haut et le plus volumineux d'Italie. Donc, hein, je vous laisserai ça. C'est vraiment intéressant. On sait que l'Etna a causé des dommages et pourrait en causer encore beaucoup, entre autres. Je vous reviens.